Je comprends pas, on vient juste de la chanter. J'ai tellement de choses en tête, entre le Black, le devoir à finir, notre chanson, le pen. J'arriverai jamais à... Donne-moi la main. Je vais pas te mordre. Donne-moi la main. On va faire un exercice. Respire profondément. Tu te sens mieux? Je crois que oui. Tu crois que oui? Bien, bien, si tu oublies les paroles, tu n'auras qu'à fredonner. Et sinon, tu me regardes dans les yeux et je te suis. La connexion, c'est le plus important quand on chante en duo. T'as confiance en moi? Bien sûr que j'ai confiance. Regarde, je te la donne. La chanson est dessus, tu vas pouvoir t'entraîner. Oui. Tout ce qui compte, c'est qu'on s'amuse. Et tu le sais très bien, mieux que personne. Comme on va chanter tous les deux, c'est sûr que tout se passera bien. Et je vais t'aider avec ton devoir, d'accord? Merci. Changeons de sujet. J'écoute. La fin de l'année approche. Tu sais où tu vas aller en vacances? Non. J'aimerais bien rentrer au Mexique, dans mon pays, mais bon, y a rien de sûr. Et toi, tu sais où tu vas aller? Oui, moi, c'est sûr, je vais aller en Italie. Mais je sais pas si je reviendrai au Blake. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Mathéo, tu vas devoir changer d'école? Oui, de collège, d'amis, de pays. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'on déménageait souvent? C'est comme ça. Je suis né en Italie, mais je n'ai pas d'endroit d'où je viens et où je veux retourner. À chaque fois que je déménage, on reste quelques années seulement. C'est impossible de s'attacher à un endroit. Tu sais, ton endroit à toi, c'est là où se trouve ton cœur. Dans ce cas, je crois que j'ai trouvé mon endroit. Tu vas me manquer. Salut. Et voilà Simon, j'ai une mauvaise nouvelle. Jim et Ramiro vont quitter le roller. Quoi? Mais pourquoi? Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils vont aller patiner ailleurs. Et surtout, ça veut dire qu'on va pas pouvoir participer à la compétition intercontinentale. Non, il faut absolument qu'on trouve un moyen pour les empêcher de partir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être que Gaston acceptera de remplacer l'un ou l'autre. Dans tous les cas, il manquera encore une personne. Non, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on discute avec eux. Ce sont nos amis, après tout. Sans eux, ce sera pas la même chose. Tamara est au courant? Tout ce que je sais, c'est que c'est Mariano qui est derrière tout ça. C'est pas possible. Quoi? Mariano m'avait fait la même proposition et j'avais refusé. On dirait que Mariano essaie de faire partir tous les bons patineurs du roller. Calme-toi. On va trouver une solution. Oui. Après l'Open, j'irai parler à Jim et Ramiro. On peut pas les laisser partir comme ça. On fait tous partie de l'équipe. Ouais, on est une équipe. Hé. Hey. Mora, de quoi tu voulais me parler? Non, laisse-moi faire, je m'en occupe. Merci, tu voulais me dire quelque chose? Quelque chose? Je t'ai trouvé bizarre au téléphone, j'ai cru que tu voulais me dire quelque chose. Peut-être, oui, tu as raison. Ça fait très longtemps que je voulais te le dire, mais je n'ai jamais trouvé le bon moment pour le faire. Mais voilà, je crois que l'heure est arrivée. C'est maintenant que je dois te le dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord profiter de ce délicieux dîner. On va manger, on va passer une agréable soirée, et après je pourrai enfin te le dire. Pardon, ça a un rapport avec l'homme compliqué? Aïe, 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 comment tu as deviné? Oh, Mora, c'est évident, tu es amoureuse de lui, ça saute aux yeux. C'est vrai, ça se voit tant que ça? Oui. Tu sais, dis-le-moi. Je vais te le dire. Oh, Tamara. Salut Tamara, ça va? Ça va. Pardon de vous déranger, je suis désolée de débarquer comme ça, mais tu es la seule avocate que je connaisse. Si tu te sens gênée parce que tu es sortie avec Ricardo, tu n'as aucune raison de t'en faire. J'aurais bien aimé que vous restiez ensemble. En plus, quand Ricardo est en couple, il est beaucoup plus équilibré. C'est vrai, tu le penses vraiment? Oui, pourquoi? Non, pour rien. J'aurais besoin de ton avis en urgence. Mon associé essaie de me prendre deux patineurs. Je ne sais pas si c'est autorisé dans le contrat qu'on a signé. J'espère que non, mais je ne comprends pas tout. Laisse-moi jeter un œil, je vais voir si je peux t'aider. Oui. Tu te souviens, je t'avais dit que tu pouvais passer me voir à mon atelier quand tu voulais, parce qu'avec les femmes dans ton genre, on peut réaliser de véritables miracles. Oui, je m'en souviens, merci, mais je n'ai rien. C'est normal, on a le temps pour rien d'autre au début d'une nouvelle relation, je comprends. Non, je n'ai pas de nouvelle relation. Ah non? Et l'homme super craquant pour lequel tu as quitté Ricardo? Je n'ai pas quitté Ricardo pour sortir avec Mariano. Et d'ailleurs, c'est lui qui veut que Jim et Ramiro quittent le Jam and Roller. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de très bonnes nouvelles, Tamara. Dans ce contrat, ton associé a beaucoup plus de droits que d'obligations. Toutes les clauses semblent avoir été rédigées en sa faveur. Quoi? Et le pire, c'est qu'il n'a aucun Jam and Roller. Il peut emmener vos patineurs avec lui quand il veut et sans aucune responsabilité.